Grave la dalle, mais t'as la flemme de faire la vaisselle après avoir mangé, j'ai la solution pour toi. Un one pot pasta, t'auras besoin que d'une casserole. Allez, c'est parti! Du coup, dans ta casserole, tu vas venir mettre un filet d'huile d'olive. Ensuite, t'auras besoin d'un oignon que tu vas émincer grossièrement. Une fois que ça c'est fait, tu prends tous tes petits morceaux d'oignon et tu les mets dans ta casserole. Tu laisses revenir ça 2 petites minutes et ensuite t'ajoutes de la viande hachée. Tu l'émasses bien comme il faut et tu la fais cuire avec un peu de sel et du poivre. Petite astuce pour enlever tout le gras présent dans la casserole, tu vas venir mettre une cuillère de farine. Tu mélanges bien le tout et là t'ajoutes les pâtes de ton choix. Pour faire cuire tes pâtes avec ta viande hachée, rien de plus simple, tu vas ajouter un peu d'eau. Pour la suite, t'auras besoin de prendre ta sauce tomate préférée. Moi personnellement, j'ai pris une petite sauce tomate au poivron, elle est incroyable. Bref, une fois que t'as tout versé, tu vas bien mélanger toutes tes pâtes avec ta sauce tomate. Maintenant, on va laisser cuire ça pendant quelques petites minutes avec un couvercle par-dessus. 10 minutes plus tard, les pâtes ont bien imbibé toute la sauce tomate. On va une nouvelle fois bien remélanger le tout et ajouter un peu de crème liquide par-dessus. Maintenant l'objectif c'est de bien diluer la sauce tomate avec la crème liquide. Après avoir mijoté pendant quelques petites minutes, c'est parfait, c'est quasiment prêt, on va pouvoir ajouter quelques petites poignées de cheddar râpé. Là ce qui va te rester à faire c'est de mélanger le cheddar avec tes pâtes. Et dès que tout est bien fondu, t'as plus qu'à déguster cette merveille. Et en plus t'auras quasiment pas de vaisselle à faire. Et au fait...